Nouveau restaurant sud-africain. Pire mon pote, ça va ou quoi? On est à Colombes, dans le grand boulevard qui t'emmène à la Défense. Partout, même là-bas, ça retrouve il aussi. Piro, comme toi, tu manges que des kebabs, des burgers, des tacos. Aujourd'hui, je vais te faire manger sud-africain. Oh là là. T'aimes le djesh, t'aimes le poulet? J'aime bien le poulet. Je vous explique, les amis. Non, tu sais quoi? On va laisser la serre, elle va nous expliquer. Ouais. Après toi, monsieur. Oh, Piro, t'as vu ou pas ça? Wesh, tu m'as ramené dans un restaurant ou dans un musée, frérot? C'est incroyable, c'est beau gosse, hein? Il y a un bon lit, il y a ça en banlieue. Vas-y, avance, frère. Comment tu t'appelles, ma soeur? Moi, c'est Bintou. Bintou, je t'explique, aujourd'hui, je suis venu manger, mais pas que. Je suis dans un élan associatif. J'ai envie de faire découvrir aux gens de la banlieue la restauration. Les musées. Non, plus sérieusement, en fait, cuisine d'Afrique du Sud. Je ne connais pas et j'aimerais bien que tu me la fasses découvrir. Mais ce qu'on propose majoritairement, ce sera du poulet péri-péri. C'est un poulet mariné avec des épices sud-africaines. Vous allez également avoir des marinades d'inspiration sud-africaine à accompagner avec votre poulet. Donc, du moins pimenté au plus pimenté. Va falloir un petit peu jouer le jeu. Ah, il y a des wings très très pimentés. Hein. Pimenté, moi je suis un tounsé. Le piment, on le mange au biberon, nous. Ah, je pense pas que ça va le piquer, lui. Alors, franchement, je pense qu'il n'y a pas résisté. C'est un Tunisien. C'est un Tunisien, mais le défi est là. Et Piro, au niveau Cannes, tu me dis. Pourquoi tu parles des sujets sensibles, toi? T'es un malade. Qu'est-ce que tu penses de Mohamed Denis, ça? C'est qui, lui? On en reparlera après. Tu peux nous mettre quelques entrées? Allez, super, je te mets tout ça. Juste pour la Wings Mystère, tu peux me dire, elle sera de quelle couleur, la marinade? Alors, la marinade piquante, elle sera un peu plus colorée que les autres. Ok, d'accord, merci. Là, les Wings avant arriver, Piro. Ah, on est bon. Ah, j'ai faim en plus, là. Alors, au niveau des cocktails, ce que je vous propose, je vais vous mettre un petit mélange de tout, comme ça, vous allez pouvoir goûter. Un petit mélange un peu exotique, comme ça, vous allez pouvoir déguster tous nos cocktails faits maison. Même si les Wings, elles sont piquantes, on n'a pas besoin de cocktails, nous. Piquante. Tounsi, oui. Ouais, piquante. Elle est tounsi. Là, il y a les fameuses Wings qui arrivent. C'est ça la roulette, Bintou. Donc, du coup, ça, c'est vraiment le défi de la Wings roulette que vous allez avoir. C'est un jeu très ludique, vous allez voir. Vous allez avoir des Wings du moins pimentées au plus pimentées. Mais du coup, c'est un peu mélangé, c'est un peu hasardeux. Il va falloir vraiment jouer le jeu, tourner la roulette et piocher la Wings. Il y en a une qui est super piquante. Il y en a deux même qui sont super piquantes, qui sont extrêmement piquantes. Vraiment, monsieur, vous allez aller au plafond. Enfilez des gants parce que vraiment, les Wings extrêmement pimenté, je sais pas c'est lesquels. Ah, Piro, des gants, des aromas trop piquants, pimentés. Ah, là, qu'est-ce que tu nous racontes? Piro, on va lancer la roulette. Hop. C'est moi qui commence à manger ça? Bah oui. Oh là là. Celle-là a l'air d'être halal. Elle est rouge. Celle-là, elle est rouge, ça, hein? Non, la rouge, non. Ça, oh, je crois que c'est celle-là la plus piquante du monde. Oh là là. Moi, je sais pas s'ils abusent un petit peu, c'est toi. Hein. Ouais. C'est pas celle-là? Mauvaise pioche? Ouais. Vas-y, Piro, tourne. Oh, elles sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Oh, celle-là, elle a l'air d'être bien piquante. Celle que j'ai mangée, elle est piquante aussi, quand même. Ah, celle-là, elle est piquante. Ah, Piro, il n'y a pas de roulette, tiens, on mange comme ça en vérité, non? Hein? Wow. C'est celle-là, il se met à la piquante, je crois. Mais moi, je l'ai mangée, elle est vraiment piquante, ça. Oh là, tu vois ça ou pas? Avec des marinades différentes. Et en fait, d'une wings à une autre, tu passes d'un univers à un autre. Wallah, c'est super bon. Regarde-moi celle-là, cette marinade avec des petites graines de sésame et c'est cuit sur le barbecue. Oh là là là, tu retires ça comme ça là. Elles sont trop bonnes. Waouh, c'est dingue. La piquante, je sais même pas c'est laquelle en vérité. On l'a mangé, je crois. On l'a mangé la piquante. Caravana, ça, vous êtes pas prêts, frère. Alors, comment ça va, messieurs? Ça arrache, hein. Ah ouais, ça envoie, hein, je vous avais prévenu. Mais généralement, quand ça arrache trop, tu savoures pas les wings. Et là, hein? C'était trop bon, malgré que c'était piquant. Vraiment, sincèrement, du tout, c'était super bon. Ah bah super, franchement, c'est qu'une petite découverte. Franchement, ouais. Vous allez voir le plat, ça envoie. Mais avant ça, Piro, toi, t'es Tunisien. Est-ce que t'as une petite réaction à faire par rapport aux petites blagues assez marrantes de Mohamed Denis? Vous serez avec nous pour 30 jours, c'est ça? Ben non, en fait, on a réservé que 4 nuits. Ah, 4 nuits, oui. Modifié alors. Alors, on sait qu'on va être éliminé au bout du deuxième match, donc 4 nuits, c'est amplement suffisant. T'as la rage ou pas ça? Ces petites blagues, elles te font mal ou c'est plutôt bon enfant? Toutes les équipes qui supportent, elles perdent. L'Algérie et Marseille. L'Algérie, ils ont fait match nul. Match nul contre l'Angola, c'est une défaite. Perdre comme nous 1-0, c'est la même chose. Hein. T'es un Marocain, tu veux un petit chi, y'a pas de problème. Moi, je veux pas d'embrouille avec le reste de l'Afrique, mais objectivement, c'est vrai que le Maroc, peut-être parce que je suis Marocain. Oh là, ils m'ont fait plaisir, Piro. À droite, à gauche. Sir. Attends, une dernière question, Piro. Toi, t'es la CAN, tu trouves qu'elle réunit plus les pays d'Afrique ou elle les divise? Dis-moi, c'est même pas une question. Le foot, c'est peut-être fédérateur, mais la CAN, voilà, ça nous divise, frérot. Tu trouves? Arrête de me dire si tu trouves, t'as qu'à juste faire un petit tour sur les réseaux sociaux, tu vas tout de suite voir le résultat. Moi je trouve que c'est une chamaillerie fraternelle, non? C'est bon enfant. Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a de la chamaillerie, là-bas, là, au fond, là-bas, là, il y a quelque chose, frérot.
Il y a quelque chose. Et tu trouves que l'euro, ça divise? Non. Ils savent comment, t'as vu? Avec nous, on est nés pour se manger et se détruire. On est nés pour se haïr. Juste moi, les marinades sur les wings, on a surkiffé. Vous avez combien de marinades sud-africaines en tout? Alors, on aura au total 7 marinades d'inspiration sud-africaine, du moins pimenté au plus pimenté. Pas moyen de les goûter comme ça de... Franchement, je peux te les apporter, tu vas te régaler. Eh, c'est incroyable, son accueil, il est dingue. Mais ces gens-là, généralement, c'est des vrais Kaira. Juste un cache le côté Kaira. Hein Pierrot, tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement. Alex, bah voilà. Ça, c'est les vrais Kaira quand ils se cachent derrière leur sourire. T'habites où, Bintou? Moi, je suis du quartier, je suis d'ici, de Colombes. Ah, ouais, 9-2 représente. Ça, c'est la banlieue, frère. Ah ouais, et là, tu nous as encore ramené des entrées. Exactement, ça, c'est l'assortiment gourmand à partager. Ah ouais, on trouve des wings, des fameuses tenders. Et ça, c'est quoi au milieu? Exactement, vous allez avoir du houmous avec du pain pita, ainsi que des halloumi, c'est des sticks fromage. Bintou, le houmous c'est pas sud-africain. Le houmous, franchement, vous allez avoir du péri-péri à l'intérieur. Mais c'est pas sud-africain. C'est pas sud-africain, mais on a notre petite touche secrète à l'intérieur. Qui est sud-africaine, elle? Exactement, le péri-péri. Ah ouais, je vais mettre bien. Isma, t'as bien entendu. Elle a dit assortiment à partager. C'est-à-dire, mange pas tout. Hein. Non, on va partager. Mais les wings, moi j'en ai trop mangé de wings. Ouais, bah partage, Hassan. Ouais, c'est bon. T'en as trop mangé parce que t'as pas partagé. Bon, moi je me lance pour les halloumi. Je sais pas c'est quoi exactement. Ils sont une sauce maison mayonnaise à base de mayonnaise, je ne sais quoi. Hein, c'est un délire, hein. Ouais. Légèrement salé. Franchement, c'est super bon. Et là, il y a le houmous. Piro, viens, on attaque le houmous. Pas le houmous. Le houmous. C'est vrai. Le houmous. Ouais. C'est vrai, faut pas avoir honte de. Hein. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est devant les gens, j'ai envie de faire mal. Effectivement, tranquille. Ouais. Le houmous. Moi, je pense qu'il faut parler d'une manière pour que la. La plupart des gens nous comprennent. Mais Zama, t'as pas compris parce que t'as dit ha au lieu de. Ah, c'est vrai. Arrête. Bah, je vais goûter le houmous. Ah ouais. Et généralement, tu sais, quand il est bien fait, tu manges ça, tu pètes un câble. Vraiment, le pois chiche. Tu pètes un câble. Oh. Ah, il est bon. Là, il est bon. Il a un petit goût différent. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans, elle m'a dit. C'est pas le houmous habituel qu'on a l'habitude de manger partout. Il est bon. Moi, j'aime bien. Mais tu préfères le houmous habituel? Ouais. Je préfère le classique. Ça, c'est un bon petit resto. Là, en famille, entre potes, t'as un bon resto. Et l'accueil de Bintou. Magnifique. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, mais la plupart d'entre vous, quand vous allez voir vos mères, vos grand-mères ou peut-être même vos belles-mères, venez avec des fleurs ou du chocolat. T'es hors sujet, mon vieux. Ces dames d'un certain âge qui kiffent par-dessus tout. C'est quand tu leur ramènes de l'huile ou de la semoule et en plus, elles sont en promotion chez Maxi Market. Oh, Isma, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est réducteur, etc. Non. Ce que je veux te dire par là, ce qui fait le plus kiffer par-dessus tout à nos grand-mères, nos mères, etc., c'est de faire plaisir à leurs enfants. Là, on a reçu notre fameuse brochette de poulet péri-péri, accompagnée un demi-poulet avec frites de patates douces et un maïs. Et là, il y a la suite. Alors là, on aura un burger, bacon et burger, avec du pita à l'ail et une salade de coslo. Salade greca avec la marinade de chili mint à base de piment et de menthe. Oh, ok, salade grecque? Greca. Mais ça, c'est pas sud-africain, si? Alors là, ce sera sud-africain parce qu'on a une marinade d'inspiration sud-africaine juste par-dessus le poulet. Ouais. Donc c'est la chili mint à base de piment de cayenne et de menthe fraîche. Donc c'est assez corsé, ça rajoute un petit côté fraîcheur. Ça t'a donné envie de visiter l'Afrique du Sud? Franchement, j'en ai très envie. Oh là là, Piro, par quoi commencer? On a la fameuse cuisse de poulet avec frites de patates douces, maïs. Là, on a une salade. Ça bascule, wesh, Isma. Ouais. Normalement, on commence par ça, Piro. Hein. Ouais. Faut la manger vraiment, faut la respecter. Hein. Ah là, mon pote. Tiens-moi, ça tient ici, Piro. Elle mérite d'être respectée. C'est bon? Bismillah. Vraiment, la blanchir, la tendreté, là. Je rajoute un peu de fraîcheur ici, là. Ah ouais, trop. Oh là, elle mélange. Moi, je trouve. Tu te fais? Vas-y, s'il te plaît. Incroyable ou pas la vérité? Il y a du froid, il y a du chaud. Exactement. C'est tendre, c'est dur. Il y a tout. On mange peut-être comme des cochons, mais je sais que les gens chez eux, ils veulent voir des gens manger comme ça. Avec de la poigne, avec du caractère. Faut manger, quand tu manges, faut manger. Exactement. Couteau, fourchette. Et il y a leur fameuse sauce, les sauces sud-africaines. Bouge pas. Ah ouais, et là, on a les 7 différentes sauces qui nous viennent. Lemon and herb. Et au citron aussi. Exactement, donc du coup là je vous apporte les marinades d'inspiration sud-africaine. Donc du coup ce sera du moins pimenté au plus pimenté. Dans celle-ci il y a du citron. Exactement. Arrête, c'est méchant. Arrête. Il est méchant là. Mais tu sais pourquoi il dit ça? Oui, parce que je dis exactement tout le temps. Exactement. Exactement. T'as 7 différentes sauces, nous on va goûter sauce maison. Aïe. Yalla. Infimement l'éther. C'est bon, j'ai réussi. Hop là, je mets le citron là, avec du citron et des herbes. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Prenez. En fait, ce qui est fort, surtout intéressant, c'est que
comme j'ai dit tout à l'heure, avec de simples sauces, on fait passer d'un goût à un autre. Ouais, tu vois, t'as l'impression de manger un aliment totalement différent. Alors, que la sauce qui a changé. Exactement. Pierrot, c'est quoi la suite? On va continuer avec ce fameux. T'aimes bien le maïs comme ça? Franchement, je suis pas très fan. Moi, en fait, j'aime bien, mais en fait, ça me bloque entre les dents. Moi, j'en ai trop mangé quand j'étais petit. Là. Ah, c'était bon. Ça, c'était bon. Vas-y, j'attaque. Oh là, le maïs, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Eh, vraiment, Pierrot, oh là, c'est bon. T'en veux? Ouais. Ça rappelle des souvenirs. Ah, il se mord. Franchement, il est bon. C'est pas le maïs qu'on prenait avant, il était dur et tout. Ouais, ouais, ouais. Il bloque entre les dents. Voilà, exactement, la texture, elle est hein. Elle est fondante. Voilà, exactement. Pierrot, avant de s'attaquer au burger, je voulais revenir un petit peu sur la canne. Ah, commence pas, Isma, avec ça. Toi, je n'étais pas trop fan de la canne. Pas du tout. Là, par exemple, pour Abidjan, frère, il y a énormément de monde qui vont visiter Abidjan. Ça ramène du tourisme, ça fait connaître les cultures et il y a de l'échange. Et je trouve que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. C'est vrai, Isma. Il y en a qui vont visiter Abidjan, qui vont visiter le pays, et d'autres qui vont en profiter pour critiquer. Ouais, mais attends. Tu parlais de la supportrice qui a critiqué la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de la supportrice parce que sa vidéo a buzzé sur les réseaux. Et d'autres qui n'ont pas buzzé font les mêmes choses que cette supportrice. Moi, tiens, prendre pour un fou. Je trouve que c'est pas bien de critiquer le pays qui accueille la CAN, etc., etc. Mais si demain, on veut être capable de faire face aux défis qui nous attendent dans le futur, si on n'arrive pas à comprendre le délire de liberté d'expression, on peut être contre. Attends, Smiley, on peut avoir le sentiment, on peut être contre et ça peut nous faire mal, mais de là à l'interdire le pays, limite de la prison, etc., moi je trouve que c'est abusé. Normalement, tu fais même pas attention, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Eh ben ok, eh ben, chaque pays fait ce qu'il veut alors. Si lui, il a décidé de faire ça, bah... Parce que pour recontextualiser, elle s'est fait arrêter par la police ivoirienne sous demande de l'ambassadeur algérien. Si on parle d'une sportive algérienne. Mais parce que les Algériens eux-mêmes renient cette dame. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, non, je suis contre ses propos, etc. Voilà. La question qui se pose, c'est le fait de se faire arrêter. Ça, la liberté d'expression dans tout ça, en vérité. Arrêtez. Vous sortez les jokers, vous direz qu'il y a un problème, joker. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'elle n'a pas parlé de choses sacrées. Elle a parlé des rues, etc. Elle n'est pas d'accord. Non, moi, tu fais pas attention. Bon, elle n'est pas d'accord. Voilà, tu vois. Mon pays, pour certains, il est sacré. C'est une terre, elle a une histoire, il y a quelque chose derrière. Ah oui. Ça, là, tu gagnes un point. Voilà, tu gagnes un point. Un pays, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est. C'est pas qu'un drapeau, c'est pas qu'une équipe de foot, c'est une culture, c'est une histoire. C'est peut-être aussi des personnes qui sont mortes pour ce pays, pour libérer ce pays. Faut respecter l'histoire de chacun. C'est vrai, en vérité, si je me retourne la question, il y a quelqu'un qui critique le Maroc. Ah non, en vrai, s'il critique les routes et les infrastructures, voilà, ça me fait rien. Ça me fait un truc, mais de là à l'arrêter, je vais être contre. Mais il critique, ici c'est le miséria, ici c'est pas des critiques constructives, ouais, c'est des critiques péjoratives, en fait c'est pour enfoncer les gens. Ah, le débat il m'a donné soif, la pure au fond, un truc à boire. Hein. Ah. T'appelles Bintou? Exactement, tu peux venir. Arrête, c'est pas bien, voilà, voilà, c'est pas bien. Il aimerait bien s'hydrater le gosier, s'il vous plaît. Quelle boisson? Franchement, je recommande un des cocktails qui est excellent, c'est le Mojito Framboise, il est très frais, très fruité, je pense que vous allez adorer. Exactement. Arrête, c'est un gamin, on la fait pas attention. Arrête, Pierrot, frère, voilà, arrête. C'est pas mal à travailler, frère. T'es là, tu. Ah, moi, excuse-moi. On pourra avoir deux cocktails, n'importe. Allez, super, je vous rappelle. C'est gentil, merci. Bintou, ça te dérange pas quand on taquine non, comme ça? Il est joueur. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Hey, t'as pina colada? J'ai pina colada. Et vu qu'il est pas très sympa, je lui mets du péri-péri dans son cocktail. Bien picor. Moi, je veux un pina colada, s'il te plaît. Vas-y, merci. Là, on va commencer par la cuisse de poulet. Cuisse de poulet, ah bah oui. Comme dans les dessins animés? Ah, comme dans les dessins animés. Ah ouais. C'est un lion. C'est un lion. Bah, elle est bonne. C'est quoi qui est bon? C'est une cuisse. Barbecue, braisé. Avec la petite sauce par-dessus. Entendre. Pyro Smalley, toi t'es un Tunisien, ouais. Tu supportes la Tunisie, même si t'es pas fan de la CAN, tu supportes quand même la Tunisie. Bien sûr, oui, c'est le pays. Pour moi, ce qui prouve que t'es un vrai Tunisien, parmi les choses qui prouvent que t'es un vrai. Est-ce que t'as un drapeau chez toi à la maison? À la maison. T'as un drapeau de la Tunisie? Ça, c'est à la maison. Pas dans la poche, dans le sac à main? Non, dans la poche, c'est celui de l'Afrique du Sud et de la Palestine. Mais voilà, je te parle sérieux, j'ai un drapeau de la Palestine et de l'Afrique du Sud tous les jours, tout le temps. C'est bon. Voilà, c'est le mot tout de suite. Regarde, Isma. Ça, c'est mon drapeau d'Afrique du Sud. Toujours dans ma poche, au cas où il faut dégainer. Eh, wallah, son drapeau de l'Afrique du Sud, il l'a pas ramené d'ici ou de là. Il l'avait vraiment dans sa poche. C'est au cas où. Au cas où, qu'est-ce qui se passe, Caravana ou hein? Caravana ou? C'est un malade, wallah, c'est un malade. Et pour finir, cette petite assiette avec du riz en bas. Oh là, l'odeur qui se dégage. Tu récupères des poivrons, des concombres bien frais chacal. Tu vois ou pas? Tu ramènes ici comme ça, t'as un max. Ouais, bah oui, direct.
Ça, je trouve que c'est une dinguerie. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment. C'est, je trouve ça super bon. Plus, t'as le côté frais, t'as le côté un peu équilibré. Ça, c'est un sans faute pour moi. Hein. Mon honorable invité aimerait passer au dessert si vous le voulez bien. Alors, au niveau dessert, on aura un large choix. On aura les tiramisu fait maison. On aura également des cheesecakes avec différentes saveurs, des coupoles de glace, fondant au chocolat. Vraiment, à vous de choisir. De n'importe. De n'importe. Oh là là. On aura également le dessert suprême. Sud-africain. Pas sud-africain, mais très gourmand comme le sud-africain. Oh là là. Oh, il se marre. Doucement, frère, doucement. Le miel est plus beau que le tien, tellement après, il est bien rempli. Dites-nous en commentaire, c'est quel le meilleur. C'est un fondant normal. Fondant basique. Mais le sucré après le salé, c'est super important. C'est obligatoire même. Exactement. C'est exactement. C'est exactement ça. Et là, on passe à la fameuse glace Palais Breton, caramel beurre salé. Oh là là là, tu vois ça ou pas? Franchement, moi c'est une très très bonne glace. Très très bonne. Et voilà la vérité, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos. Bintou est le meilleur accueil 2024. Je confirme. Hein? Moi, j'ai jamais vu un accueil comme ça dans n'importe quel restaurant voilà, où je suis allé manger. En fait, mais elle parle tout le temps comme ça. C'est, voilà, c'est un truc de dingue. Quelle origine tu penses? Bintou. Mali ou Sénégal, moi je pense. Moi je pourrais les lions de la Teranga. Les lions de la Teranga, ça. On va demander. Exactement. Bintou, on aimerait savoir, t'es de quelle origine? Alors moi je vous laisse deviner. Sénégalaise. Perdue. Malienne. Gagnée. Exactement. Ton accueil, c'est un truc où t'as été formé, etc. Ou tu dirais plutôt c'est un truc inné? Je pense que le relationnel, c'est un truc inné. Parce que j'aime bien le contact avec les gens et surtout que je fais de la restauration depuis 3 ans maintenant. Mais c'est pas ma passion première. Moi, je suis dans le domaine de la santé. C'est pour ça, la proximité avec les gens, le côté. Elle prend soin de nous, elle est là, ouais. Au petit soin. En tout cas, merci infiniment, de Bintou. Rien, ça, on t'a décerné le prix de la meilleure serveuse 2024. Franchement, ça me touche. Ça me touche vraiment. Vraiment, c'est gentil. Merci vraiment, à toi, en tout cas. Wouah, puis on s'est régalé. C'était magnifique ici. Vraiment. Hein. On a mangé comme des rois. C'est exactement ça. Bintou, franchement, messieurs, merci beaucoup. Bah, merci à vous surtout. On a passé une agréable soirée. Ah, bah, moi aussi. Également, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Pierrot, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.